Ils ont tous répondu présents, les filles et fils de Tori, à leur fête patronale dite Torihui. Dans leur tissu confectionné pour la circonstance, tout a commencé par une messe d'action de grâce pour célébrer les 60 ans d'existence de leur église Saint-Jean-Baptiste. Aux côtés des filles et fils de Tori, la présence remarquée des autorités politico-administratives. Nous sommes venus les soutenir. C'est un vecteur de développement. Encore faut-il que tous les fils de Tori s'unissent pour vraiment en faire un creuset fédérateur. Donc je voudrais inviter tout le monde à l'union. À défaut de l'unité de pensée, il faut l'unité d'action. Je suis venu une fois encore passer du temps avec les fils et les filles de Tori pour leur dire à quel point le gouvernement et son chef souhaite que dans tout le pays, il y ait la paix. Au-delà de son caractère festif, Torihui est aussi un creuset de sensibilisation des populations à la base. Et cette année, le thème choisi est la prévention et le traitement des cancers. C'est dans ce sens que nous avons travaillé hier pour sensibiliser la population sur les facteurs de risque de cancer. Je pense qu'ils ont bien suivi, ça les a intéressés. Ils ont posé beaucoup de questions auxquelles nous avons essayé de répondre. La commune de Toribosito compte 6 arrondissements avec pour activité principale l'agriculture. Au mois de juin, on fait les récoltes de maïs frais, de l'arachide fraîche. C'est dans ce sens que nos parents, pour fêter la récolte du maïs, ils ont associé la Saint-Jean-Baptiste à Torihui, où tous les enfants de Tori se retrouvent. Le but visé à travers cette initiative reste la pérennisation des relations fraternelles.